On est plus seul. C'est combien déjà? Je suis pas là. C'est à côté. C'est bon, il est parti. Ok, ça c'est parfait. Encore ? La chasse, c'est pas ce qu'elle a fait. Chimolf, ça roule quoi? Comment vas-tu? Tu vas bien? Il est en train de me dire qu'il y a un truc à récupérer ici. On peut sortir. Les cas tragiques, vraiment tragiques. Loin des rythmes terriens, du lever et du coucher du soleil. L'esprit a tendance à s'égarer. Des cas tragiques. Mais Morlaix a perdu beaucoup trop de temps à être à leurs petits soins. Il n'aurait jamais dû venir ici. Aucun de nous n'aurait dû. C'est ça. C'est dans ce couloir. Allez, vas-y, on utilise son tondiseur. Voilà, c'est le premier passage du coup où on rencontre vraiment l'alien et où il commence à nous faire du mal. Ça commence à piquer. Il n'y a pas le son quand tu meurs? Oui, c'est normal. Des fois, il y a le son, des fois, il n'y a pas le son.
code d'accès devrait être quelque part par ici. Là. Vous avez trouvé le code ? Nice ! Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. 1702. Trouvez-le. Détendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Il m'a vu direct ou quoi ? J'ai bloqué la porte. L'alien fait payer cher les speedrunners. Ah ouais ouais, ça doit être chaud de speedrun ce jeu en vrai. Je pense que ça doit être vraiment dur. Morlaix. Ok, je sais que j'ai un point de sauvegarde sur ma droite là. Parfait, j'ai un point de sauvegarde ici. Nickel. On avance petit à petit. Doucement. Mais sûrement. Bombe tuyau. Parfait. Referme-toi. Hors service. Ah putain, c'est pas vrai. Salut Egon. Merci pour le raid. T'en as si bien passé, dis-moi. Tu streamais sur quel jeu? Ah, oh, c'est chaud. Il est où le Varxen? Je l'ai enlevé. Mais je vais le remettre, t'en fais pas. Il faut que... Je voulais qu'on fasse une petite réunion du coup avec toi, Jess, Marcoya, Milou. Pour voir quel émote on garde, quel émote on garde pas, tu vois. Quel émote on met en émote follow, etc. Donc on verra ça ensemble tranquillou. Si la gauche ou à droite... Je suis pas venu ici un peu tôt. On arrive au bout. Oh putain. Carte d'accès requise. Merde. Okay.
retourner auprès du docteur Kerman, ok. Sur la gauche, hein. Il est parti sur la gauche. Je parle pas beaucoup, je suis désolé, hein. Je suis vraiment à fond dans le truc, hein. J'espère que vous kiffez le let's play. Putain, je suis sous pression en vrai. Eh, je suis content de pas avoir joué au jeu depuis hyper longtemps en vrai. Je redécouvre les sensations comme... Bah, peut-être pas comme si c'était la première fois que je le faisais, mais... En tout cas... Je suis au taquet. Il vient de descendre des canalisations, il est derrière la porte. Putain, le salaud, il a un temps d'avance sur moi à chaque fois, hein, vous avez vu, hein. Est-ce qu'on peut passer par ici? Putain. Il est parti par là-bas. Ok, c'est worse. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nickel. Je sais pas pourquoi je suis shot en vrai. Descends au dispensaire. Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans l'autre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Putain. Il n'y avait pas assez de screamers capables. Merci beaucoup, Razon. Merci infiniment, Poulet, pour les 777 bytes. Merci beaucoup, Poulet. Là, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir. Bah, dépêche-toi, je t'attends. Hein? Regarde devant toi. Hey, si t'as regardé devant toi aussi, voilà, ça serait pas arrivé. Ah, ah putain! Je me moque de la hyène, mais je vais me faire becquer dans 3 minutes, tu vois. Ok. Ok, ça roule. Je pensais qu'en mettant la carte, ça me faisait partir. Non, ça active juste le truc. Salut Jenny, tu vas bien, ça roule. Hello, je suis votre papa. Je suis votre papa qui reçoit pour son 7ème mois à la chaîne. Merci beaucoup, Poulet. Un grand merci pour le resub.
Tu as des désolations. Je l'ai fait 3 fois. J'espère que tu vas bien crier de peur. Ah putain, je te jure, c'est une tuerie ce jeu, je l'adore. Ouais, bah, c'est vraiment une tuerie. Merci beaucoup, Paulin. Merci pour ton sub. J'ai failli entendre chien dans mon oreillette. Zouk-moi, merci pour les 100 bytes. Alors ? Coucou Varg, j'ai vu Scream hier. Ouais. Sympa à voir, mais c'est du déjà vu, donc à regarder sur la télé, c'est mieux. Ok, ça vaut pas le coup d'aller le voir au cinéma. Merci pour ton retour, Paulin. Merci beaucoup. Encore une sauvegarde. Oh, c'est vite. Comme je vous avais dit, attention. Hein. Les rares fois on trouve des compos, franchement... Oh, le taser ! Razan, j'ai trouvé le taser, mon poulet, t'as vu ? Oh, plus qu'à trouver l'alien. Et on va pouvoir lui régler son compte. Tous ces bruits. Merci pour les 100 bytes, Zoukma. Merci encore, poulet. Tu as fait ce que je t'ai dit sur la télé, non ? J'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. À chaque fois, en vrai, maintenant que je commence à avoir un peu plus de temps et que je suis plus overbooké comme je l'étais ces deux dernières semaines, je vais vraiment le faire ce week-end. Oui, je le fais ce week-end, poulet. Il nous manque quelque chose, on peut pas l'ouvrir. On peut pas l'actionner celui-là. On va passer par ici. On peut pas fouiller les cadavres. Il y a forcément quelque chose à récupérer. J'ai pas ouvert cette pièce pour rien. C'est l'Arkham, je crois pas que l'alien soit dans les parages en vrai. Établir le courant. Il y a un truc qui m'échappe. Alors attends, j'ai activé ça. Il y a un truc dans la pièce d'à côté, à mon avis, que j'ai pas vu. Trump. Trumpette. Ouais, j'avoue, il y a un truc. Vous avez entendu? Il est vraiment, mais il est contact. Il est à côté. Staffy! Staffy, merci beaucoup! Les 1 an d'abonnement. Les 12 mois. 1 an d'abonnement à la chaîne. Un immense merci pour ton soutien depuis ces 1 an, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup Staffy. Merci à toi. Ça roule ou quoi? Tu vas bien? Salut Anirial. Non, non, c'est pas un live 24h mon poulet. Il y a pas l'exclamation 24. Si tu fais pas l'exclamation 24h, regarde, il y a une commande qui va s'afficher et ça t'indiquera du coup quand est-ce qu'on fait le 24h. On va pouvoir établir le courant et on va pouvoir passer du coup par les canalisations. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Fais-le plus vite. Eh, pour l'instant, l'alien, il s'est barré. Je pense qu'on a réussi à se faire respecter, ça y est, hein. Ah, par contre, j'ai l'impression de monter l'échelle vachement vite. C'est bugué ou... Ou c'est moi? Oulala, oulala, oh putain, je me retrouve ici à nouveau. Oh merde, c'est pas vrai. Quoique non. Les infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également. Oh fuck.
très fort tendu. Oh putain! Oh, ce passage il est diabolique aussi. Ah! Reviens à l'enfoiré. Oh putain de Dieu. Rassan, merci pour les 777 bytes. Ah mais putain, mais tu vas arrêter de me camper. Putain, mais Laserface, il me campe moins que ça. Hein? Pas vrai ça! Oh des dieux! C'est parti! Ah bah enfin! Hello Kiré! Monsieur Kiré, ça roule ou quoi? Comment vas-tu, poulet? Tu aurais dû dédarde. Oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison. Ah, c'est vrai, j'aurais dû dédarde. J'y ai pas pensé. J'avoue. Mais ouais, t'es très bien parti en vrai. Et que veux-tu, cette sale bête a réussi à nous avoir. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Voilà. Si jamais comme ça il me retue, on n'aura pas ça à faire. Hein? T'as pas encore fait. La contorsionniste dans les mini-placards. Bah encore. Imhotep, est-ce que la vitesse à laquelle j'escalade, à laquelle je monte l'échelle est normale ou c'est buggé? J'ai l'impression que je monte un peu vite quand même. Putain de Dieu, ça fait peur, mon Dieu. Ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que... que ce soit bien clair. Allô? Pour les archives. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis...
tellement navrée. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Je veux le même. C'est quoi, c'est un cendrier? Il est trop bien. Je veux le même en vrai. On n'est jamais tranquille, c'est dingue, hein. Tu peux pas souffler un coup de seconde, hein. Ça va, Néa, tu vas bien? Je suis en train de déménager des trucs. Oh le con. Oh putain. Il est tellement en train de me camper. Il est reparti dans les canalisations. En fait, non. C'est insane, hein. Il bouge pas, hein. Il reste vraiment dans le secteur, hein. L'alien fait une Booba Kappa. Grave. Merci mec pour les 100 bytes. Bon voilà, là il n'y a plus qu'un seul chemin possible, malheureusement. On va faire un truc. Ah non, c'est pas ça qui était prévu. C'est bon. Allez vite. Oui. Mot de passe requis. Quoi? Docteur Lingard. 2504. Johnson, vous vous souvenez? Votre copain directeur général de Sixon. J'ai pas regardé correctement.
Enfin, on n'a pas forcément le temps. Et puis, il faut dire que j'ai beaucoup d'autres amis, dont certains portent l'uniforme. D'ailleurs, l'un d'eux m'a dit que vous aviez contacté le Marshal Waits à propos d'une, disons, intéressante trouvaille. Je veux en savoir plus. Pas de discussion. Après tout, est-ce qu'il vous connaît vraiment bien, ce Waits? Pas autant que votre vieil ami, en tout cas. Et je parie qu'il ferait preuve de moins d'indulgence vis-à-vis du marché noir de médicaments. J'attends votre appel avec impatience, Doc. Ça tombe bien, j'ai pas de cigarette sur moi. Je comptais pas cloper, t'inquiète. Je t'avouerai que j'avais d'autres projets. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu le tir. Et si on les a entendus, la créature aussi. Oh putain! Merde! C'était quoi cette merde? Yo? Personne ici, capiche? Ripley, la route vers la réception du centre médical est barrée. Le seul moyen d'ouvrir une sortie est d'activer la procédure d'évacuation de l'hôpital. Ok, ça roule. On est chaud, putain, on a réussi à s'esquiver. Tu as déjà fait la surface? Ouais, j'ai fait les deux. Ils sont chouettes en vrai. C'est un bon jeu, ouais, c'est un très bon jeu. C'est dur à faire en stream par contre. Il y a beaucoup de moments très calmes, du coup. Moi, quand il y a trop de moments très calmes, tu vois, j'ai du mal à faire l'homme. Quand c'est trop calme, j'ai du mal à jouer au jeu. J'ai bien que j'ai besoin que ce soit dynamique, que ce soit sous pression H24. Il y a trop de moments en fait de lore, d'histoire. Mais après, c'est chouette, hein. Mais. À faire en stream, j'ai pas trop kiffé. Ouais. Hors live, par contre, en perso, oui, je pense que j'aurais kiffé, ouais. Attends, je suis où là? Ça va, on est à côté. J'ai pas vu le filet de bave. Tu l'avais vu toi le filet de bave? C'est vrai? Je l'ai pas vu. Samuels, j'arrive. Allez, go! Enfin, je suis dégoûté parce que j'ai réussi à esquiver du coup les... C'est un vrai cauchemar ici, ça pèse. Le groupe là de survivants. Il y a la porte au fond qui s'est ouverte, ça veut dire qu'il doit y avoir... Soit il y a l'alien. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Si on les a entendus, la créature aussi. Groupe de survivants ici. Groupe de survivants là. Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Ripley, la route vers la réception du centre médical est barrée. Le seul moyen d'ouvrir une sortie est d'activer la procédure. Ego, t'as pas encore l'émetteur de son? Si. Ça peut être vraiment pratique en vrai. Après, j'économise le plus possible. Quand je joue à l'isolation, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise très peu d'objets, vraiment. J'économise le plus possible pour les moments où ça peut être vraiment, vraiment très dur.
je regarde la partie en vitesse. Tac. Tac. Voilà, nickel. Je me suis pas refait avoir. Oh putain, 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 putain! Meilleure mort! Quelle mort incroyable, dis donc! Je le tente pas maintenant. Ouais, il est en train de back. On pourrait lui mettre un coup de taser pour le tuer. Faites état d'un bon service dans toute la station. Ah, pas le faire. Maintenant. Cette musique qui m'a vu ou quoi? Je sais, je sauvegarde d'abord. En espérant qu'il va pas me bloquer. Non putain si. Je vais me gêner. J'ai l'impression que je pourrais courir. Ah merde, je suis crevé. J'ai l'impression que mon jeu est complètement bugué. J'ai l'impression que je pourrais courir plus vite, mais que je cours au ralenti. C'est trop bizarre, non? Je suis pas en train de courir au ralenti, genre. Il m'a encore chopé l'enfoiré. Tu avais bien repris le schéma de cocktail Molotov après la mort de l'autre alien dans l'aération. J'espère, attends, je vais te dire ça. J'espère parce que c'est important du coup hein. Non, je l'ai pas pris. Oh putain, c'est pas vrai. Attention, il est là.
je vois pas s'il y a une bouche. J'ai mon jeu qui est buggé de ouf. C'est un truc de dingue. J'ai mon jeu qui est buggé de ouf. Waouh! On a vraiment un souci là par contre. On a un décalage insane, vous avez vu? Bon. Alors, quand je disais tout à l'heure que c'était bizarre quand je montais l'échelle trop vite, ouais, ça va pas. Y a vraiment un souci, donc je pense que je vais. Ouais, non, ça va pas du tout là. Je vais redémarrer le jeu. Ouais, là le bug tu vois nous gâche un peu le let's play, donc je vais essayer de corriger ça. Attendez, on va tout en haut. On se regarde. Ah. Tu vois, j'ai pas le bug quand j'interagis avec les portes. Mais j'ai un bug global là du coup. Donc ouais. Je suis désolé pour le bug hein, les amis, je vais essayer de corriger ça, vous en faites pas. Je croyais que l'isolation était parfaite. Mais oui, le jeu est parfait, après il y a ce bug là effectivement, ouais. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi il y a ce bug là en vrai. C'est un peu triste. Allons sauvegarder. De toute manière, je vois qu'il est 19h. Tac. Hop là. Et un point de sauvegarde. Ça serait pas du luxe en vrai. Je file, tu t'en vas à Trumpet, des bisous à toi. J'appelle Sega sinon. Oui, Good Idea, tiens. Vas-y, appelle Sega poulet. Point de sauvegarde, s'il vous plaît. Non? Putain, quand tu veux un point de sauvegarde, t'en as pas, quoi, c'est pas vrai? Quel enfer. Le même problème quand j'y jouais, genre pendant les cinématiques, les sons étaient décalés et même les sons des animations de mes morts par l'alien. Ouais, c'est un bug du jeu en fait. Des fois ça te le fait, des fois ça te le fait pas. Moi sur mes anciennes parties, en fait, ce que ça me faisait, mon poulet, c'est dès que j'ouvrais, tu sais, la porte avec ta machine là, avec ton le premier outil que tu récupères, dès que j'ouvrais une porte en fait, ça me faisait cette cinématique au ralenti. Donc c'est pas très grave, tu vois, ça faisait que ça. Là en fait par contre ça impacte les cinématiques. Putain, y'a du monde. Et ça impacte le gameplay, regarde.
quand je m'accroupis, le temps que ça met, tu vois. C'est pas bon. Donc, de toute manière, c'est pas grave. Là, c'est la fin du coup de notre première session sur une isolation. Je trouve qu'on a pas trop mal avancé, franchement. On a bien avancé. Je vais désinstaller et réinstaller le jeu. Comme ça, je pense qu'on va peut-être avoir la possibilité de plus avoir ces bugs-là. Ou des bugs, ou d'autres bugs, mais... Voilà, si c'est l'autre bug, juste quand j'ouvre la porte, ça va, c'est tolérable. C'est acceptable, y'a pas de soucis, quoi.